Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 20h15, heure de Paris. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Désolé pour ce grand retard. On était en réunion, donc euh, voilà. Merci en tout cas pour votre compréhension. Merci. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour l'évangile, papa. Merci pour ton nom qui nous sauve. Merci pour ton nom qui nous a été donné. Le nom le plus puissant, le plus glorieux, le nom Yeshua, notre Sauveur. Nous te disons, Seigneur, gloire, louange, honneur. Merci encore pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Au nom d'Yéchoua, nous te prions, Père très Saint. Amen. Voilà, nous sommes dans Esdras, Esdras chapitre 10. Nous allons commencer par partir du verset premier. Et comme Esdras priait et faisait cette confession, pleurant, et étant prosterné à terre devant la maison de dieu une grande multitude d'hommes et de femmes et d'enfants d'israël s'assembla autour de lui et le peuple se lamenta abondamment par des pleurs alors shekania fils de Jéiel, d'entre les fils de lamm prit la parole et dit à ezras nous avons péché contre notre dieu en nous mariant avec des femmes étrangères d'entre les peuples de ce pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. C'est pourquoi traitons maintenant cette alliance avec notre Dieu, que nous ferons sortir toutes les femmes et tout ce qui est né d'elles selon le conseil du Seigneur et de ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, et qu'il en soit fait selon la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, et nous serons avec toi. Fortifie-toi et agis. Alors Ezra se leva et fit jurer aux chefs des prêtres, des lévites et de tout Israël de, se, de faire selon cette parole. Et ils le jurèrent. Voilà, on commence à arrêter là. Alors, si vous êtes chrétien, vous connaissez certainement l'histoire d'Ezra, Ezra qui était un, un scribe, un scribe, un docteur de la loi, un enseignant de la parole, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui est né dans la captivité, qui est né à Babylone, parce que les Hébreux étaient, comme vous le savez, les Juifs, les, les, les Juifs, les enfants de, de, de Juda, euh, étaient transportés de Juda à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et euh, donc, euh, parce qu'ils avaient péché, ils se retrouvent euh, sur une terre étrangère, Babylone notamment, et euh, ils étaient obligés, malheureusement, euh, pour, pour beaucoup, hein, beaucoup étaient euh, corrompus, c'était corrompu. Et parce que Babylone était très, très accueillante. C'était une ville, un pays très, très ouvert, favorable aux Hébreux, favorable sur le plan, bien sûr, matériel, sur le plan alimentaire. Mais malheureusement, sur le plan spirituel, c'était la catastrophe, parce que Babylone était une ville idolâtre. Alors, les Hébreux ont vécu plusieurs, comment dire, déportations. Ils ont vécu plusieurs... Euh, difficultés, connu plusieurs difficultés. Ils ont été en Égypte, en Afrique, où ils ont subi euh, une persécution atroce physique. Et Babylone, par contre, n'était pas une, un pays qui persécutait euh, ces Hébreux, mais par contre, euh, Babylone a séduit beaucoup d'entre eux. Et 70 ans après la captivité, beaucoup des Juifs euh, rentrèrent à Jérusalem pour la rebâtir pour reconstruire, reconstruire ses murailles. Et parmi ces exilés qui revenaient, il y, a, il y avait justement Esdras. Et cet homme, qui était un homme de Dieu, qui était un homme intègre, a eu la charge, la mission d'instruire son peuple. Et il s'est aperçu effectivement que parmi les Juifs, il y avait beaucoup de mélanges. Beaucoup parmi les Hébreux, les enfants d'Israël, avaient pris des femmes étrangères, chose que Dieu avait interdite euh, par Moïse dans la loi. Et à cause de cela, euh, bien sûr, la colère du Seigneur était euh, euh, déversée, euh, répandue sur eux. Et Ezra se va euh, s'en apercevoir, il va avertir le peuple à la sanctification, il va les encourager à chercher le Seigneur. Et on nous dit ici qu'il va pleurer pour, n'est-ce pas ses frères et sœurs, il va pleurer à cause de leurs péchés. Et tout le monde a commencé à pleurer. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les enfants d'Israël, hein, les Juifs, sont allés le voir. Ils lui ont dit bah, "Écoute, lève-toi, car cette affaire te regarde, car cette chose, cette parole, ce, ce discours, hein, cette responsabilité, cette vision, hein, cette charge est en gros sur toi." Et Dieu, mes amis, choisit ses serviteurs, ses servantes. Il choisit les hommes et les femmes euh, à qui il va confier une charge, une mission, une vision. Et, euh, et là, ici, dans le cadre de, d'Esras, les gens ont reconnu cette vision. Ils ont reconnu que cet homme était mandaté par le Seigneur. Ils lui ont dit, bah, écoute, cette affaire, justement, euh, est sur toi, sur tes épaules. Il faut que tu te lèves, ne, te, ne reste pas dans l'abattement, ne reste pas dans la dépression. Lève-toi, arrête de pleurer, fortifie-toi et agis, fortifie-toi et travaille. Donc ce soir, je voulais juste nous encourager, nous dire que cette affaire nous regarde. Alors, quelles affaires Quelle affaire, plutôt je dirais, quelle affaire qui nous concerne, qui, 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 nous est, euh, qui est importante pour nous vous connaissez l'histoire de notre Seigneur Yeshua. On va le voir Et euh, dans Luc chapitre 2. Et euh, à la naissance de Yeshua, notre Maître. Et euh, on va descendre. Et euh, voilà. On va descendre encore. Merci Seigneur. Et euh, donc nous sommes à partir du verset 41. Ses parents allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Mais croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent une journée, puis ils le cherchèrent parmi leurs parents et parmi leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Or, il arriva que trois jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait s'étonnait de sa sagesse et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent étonnés, et sa mère lui dit Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi Voici ton père et moi te cherchions avec angoisse. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. voyez Donc ici, Yeshua, à 12 ans, s'est levé pour s'occuper des affaires de son père. Yeshua, homme, frères et sœurs, vous qui souffrez, vous qui pleurez, vous qui êtes dans l'abattement, je ne sais pas ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours. Je ne sais pas ce que vous, euh, n'est-ce pas euh, Je ne sais pas euh, quels, quels sont les problèmes auxquels vous faites face. Il y en a c'est la mort qui les a frappés, qui a frappé un membre de leur famille. D'autres c'est euh, comment dire la maladie. D'autres encore c'est euh, euh, je ne sais pas la perte de, de quelque chose d'important et euh, pour eux. D'autres ils subissent les, les moqueries, la persécution. Et euh, Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, je ne sais pas ce que vous traversez dans votre marche chrétienne. Je voudrais vous dire ce soir euh, que vous n'êtes pas sans espérance comme les Hébreux l'ont dit à Esdras. Lève-toi, car Israël, Israël ne, ne, ne ne pas sans espérance, sans espoir. Et rappelez-vous bien que Yeshua est notre espérance. Si vous perdez quelqu'un, sachez que notre espérance est Yeshua et en lui et que nous allons nous retrouver un jour lors de la résurrection d'entre les morts. Et euh, nous devons nous fortifier en Yeshua. Fortifiez-vous, soyez encouragés, soyez fortifiés. Sachez que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous endurez, tout ce que vous faites pour son nom. Vous êtes tombé dans un péché, je voudrais vous dire. Si vous n'avez pas encore atteint le point de nos retours, si vous n'avez pas blasphémé encore, il y a une possibilité pour vous de recevoir le pardon du Seigneur. Tout n'est pas perdu. Vous pouvez être restauré. Vous pouvez être rétabli. Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Ne restez pas constamment dans le péché. Criez au Seigneur. Confessez, confessons nos péchés. Confessez ce péché-là. Confessez ce péché, mon frère, ma sœur, et Lève-toi, car cette affaire te regarde. Quelle affaire Eh bien, il est question des affaires du royaume, des affaires du Père. Nous sommes sur terre pour nous occuper des affaires de notre Père. Quelles sont ces affaires-là Eh bien, le Seigneur a dit qu'il faut l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de toute notre, n'est-ce pas, âme, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà les deux grandes affaires du royaume de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Et aimer son prochain comme soi-même. Son prochain, notre prochain, n'est pas forcément celui, ne pas obligatoirement, ne pas seulement, je dirais, celui qui nous ressemble physiquement, ou celui qui nous ressemble sur le plan, n'est-ce pas, euh, ethnique, culturel, tribal, racial. Mais notre prochain, c'est celui, c'est tout être humain, d'où qu'il vienne. Et nous avons besoin de nous encourager, de nous entraider, de tendre la main à celui qui tombe pour lui dire ⁇ tu peux te relever si ⁇ C'est bien sûr il demande, s'il veut de l'aide. Comme Jacques le dit, celui qui ramène un pécheur de la voie d'où il s'est égaré, il, va, il, va, il couvrira une multitude de péchés. Il sauvera une âme de la mort. Les affaires du royaume, c'est quoi C'est aider son prochain, c'est aider les orphelins, c'est aider les veuves, c'est soutenir les pauvres, c'est prier pour les malades. Hein, c'est partager son pain avec celui qui n'en a, a pas, c'est aider les SDF, aider les pauvres, c'est surtout par-dessus tout adorer notre Dieu, car Dieu cherche des vrais adorateurs. C'est aussi euh, vivre comme un véritable disciple du Seigneur au milieu d'une génération, euh, au sein d'une génération corrompue, perverse et corrompue. Les affaires du royaume, c'est faire sa volonté, la volonté du Père. Quelle est la volonté du Seigneur pour moi, pour toi, pour nous alors, il ne faut pas rester dans l'abattement, il ne faut pas rester dans les pleurs, dans les larmes. Il faut se lever et faire, s'occuper des affaires du royaume de notre Père céleste. Donc, c'était juste un encouragement au nom de Yeshua. Nous vous donnons rendez-vous euh, ce lundi, pour lundi et mardi, pour une émission, pour des émissions, deux émissions euh, spéciales. Et, euh, je pense qu'on aura un temps d'adoration, et quelques chances si le Seigneur le permet. Et surtout, euh, ce dimanche aussi, on sera. Si tout va bien, à, si Dieu le, le, le veut, à Orléans pour un de temps d'adoration, pour louer, adorer notre Dieu ensemble. au nom de Yeshua. Lève-toi, car cette affaire te concerne. on de Yeshua. Amen.